Voilà. Et donc là, je suis sur le stand de la bière à thèse. Voilà, qui participe à l'événement. Donc je vous écoute. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité? Alors voilà, moi j'ai démarré. Vous présenter aussi par la même occasion, s'il vous plaît. Je suis Michel Jouin, donc quelqu'un qui brasse de la bière depuis 19 ans maintenant. La première bière de Bérat ayant été élaborée en 1996. Voilà, c'est une fabrique de bière qui brasse aujourd'hui aux environs de 1000 hectos annuels, 100 000 litres. Quatre types de bières à son actif, blonde, blanche, brune, ambrée. Donc le tout vendu donc, sur la région. C'est vraiment une bière à vocation régionale. Sur le département à 90% et pour les départements limitrophes pour les 10% restants. Qu'on trouve en grande surface ou... Pas du tout. Pas du tout. On la trouve qu'avec un réseau détaillant. Un réseau de petites structures commerciales, milieux associatifs, grande présence dans les milieux culturels, sur les festivals, etc. D'accord. Donc avec une nouvelle activité qui s'est implantée depuis 2 ans maintenant, c'est l'activité de mon épouse Joël, autour de la restauration. Et je lui passe la main. Bonjour. Donc bonjour, moi, Joël Douault, donc femme de brasseur de mon état et cuisinière. Donc je m'occupe de l'activité qu'on a montée depuis 2 ans et demi, ce que j'appelle le resto bière, qui comprend un resto, un bar et un magasin, qui est ouvert donc en fin de semaine. Alors l'idée c'était de cuisiner avec la bière, mais pas seulement la bière, le malt, tous les produits qui rentrent dans la fabrication de la bière. Malt, moût de bière, levure de bière. Donc le but c'est d'inventer des recettes et d'expliquer aux personnes ce que c'est la fabrication de la bière. Donc c'est plutôt un restaurant événementiel qui est ouvert plus pour des groupes toute la semaine. Avec le midi ou que le soir ou... Ça peut être midi ou soir, c'est d'accord, sur réservation. D'accord. Avec l'idée de faire connaître aux gens ce que c'est la bière qu'ils boivent, comment elle est produite. Alors je vais visiter les locaux et j'explique la fabrication de la bière, voilà, avec le malt, comment c'est fabriqué. Et après l'idée c'est que les gens puissent manger de la cuisine à la bière, alors, soit sous forme de repas, soit sous forme de buffet, soit à corps mais bière. Alors par exemple pour aujourd'hui à Carbone, j'ai fait une tarte à la bière que je vais vous dévoiler. Donc ça c'est une tarte à la bière à la figue, donc je le fais dans le menu de temps en temps, bien sûr parce que je change régulièrement mes menus. Donc cette tarte à la bière à la figue, donc c'est une de mes spécialités. C'est une tarte à la bière à la figue, c'est alors, la bière qui est à la figue, voilà, et la tarte est à la bière à la figue. Voilà, on fabrique une bière qui s'appelle la Figa, c'est une bière à la figue, et à partir de cette bière, j'ai fait une tarte. Qui est une pâte, alors tout est fait maison, la pâte c'est une pâte roux d'or que j'ai fait maison et donc là c'est un appareil à partir de la bière à la figue. Ça m'a l'air très bon quand même. Voilà, vous voulez donc goûter, si on veut découvrir votre restaurant, donc on peut, le restaurant et la fabrique, on peut vous retrouver sur internet je suppose. Alors on a le site biratès.com. D'accord. Et donc après on est ouvert tous les vendredis soirs, vendredi et samedi par magasin, et le vendredi soir pour les particuliers, les gens qui veulent venir goûter ma cuisine. D'accord, eh ben, voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Donc j'ai vu que vous aviez amené un petit quiz. Alors je propose un petit quiz, voilà, parce que mon but c'est d'animer aussi la partie fabrication. Donc aujourd'hui je propose un petit quiz sur comment on fabrique la bière. D'accord.